le plus gros projet porté par le département dans le transport maritime. Nous avons fait l'acquisition de 2 amphidromes pour un montant de 18 millions d'euros en 2016-2017. Cette convention est extrêmement importante parce qu'elle permet aujourd'hui de renforcer finalement les actions de coopération entre le conseil départemental de Mayotte d'une part et le conseil régional d'autre part, et en particulier sur le sujet qui est celui de la mobilisation des fonds européens. L'objectif, c'est de produire des œufs de qualité, dans des conditions d'environnement relativement acceptables, de faire un effort important sur la partie environnementale et sur la partie traitement défiant, qui est le problème limitant de tous les élevages. Nous commençons par un fonds, le fonds FEDER. C'est lui qui est le plus, je dirais, plus aisément mobilisable, puisque en la matière, les infrastructures, la construction, la réalisation, la rénovation des infrastructures et des transports sont des opérations qui consomment le plus de crédit. L'objectif, c'est d'accompagner Mayotte finalement en tant que nouvelle région ultra-périphérique sur la mise en œuvre de près de 300 millions d'euros de fonds européens qui va permettre donc d'asseoir ici le développement économique et social de Mayotte dans les meilleures conditions. Concrètement, d'ici la fin de l'année, un plan de formation sera élaboré par les deux parties. Et ce plan de formation permettra à la fois le concours du conseil régional pour accueillir dans ses services des collègues du conseil départemental de Mayotte, mais aussi d'envoyer des équipes du conseil régional de la Réunion à Mayotte pour animer des séances de formation et d'accompagnement des collègues du conseil départemental. Moins